Salut YouTube. Voilà, après une horreur hier, hein, franchement. J'ai pas avancé, j'étais triste. Il y a Marc Labrèche, le mec du cœur a ses raisons, je connais pas non plus. Désolé. Désolé, j'ai pas tes rêves de jeune là. Et donc ouais, non, je suis allé voir une soluce. Pour voir au moins un truc, pour essayer de m'aiguiller sur un truc. Et j'ai vu. Pour la brèche. Attendez, faut que je note. C'est vrai que quand on relance le jeu, il faut que on resélectionne. Voilà, je veux l'étranger. Allez. Je vais mourir. Ouais, je pense que dans 22 minutes, je vais mourir. Je suis pas sûr, hein. Mais je pense que dans 22 minutes, je meurs. Regardez ce que le cœur a ses raisons quand t'auras le temps et l'envie, donc repousser toujours et encore, ne jamais arriver. Ok, ça marche. Ça va, c'est simple comme Jean-Michel avoue. Ça me va. Hein. Putain, j'ai le visage qui me gratte. Pourquoi j'ai le visage qui me gratte? Le visage qui me gratte. Alors donc on arrive là, vous voyez. Et donc on a l'étranger là. Donc on a du haut, du bas. On a du chocolat. Mais on a aussi... On va peut-être le voir. Non, c'est pas ça. Ils m'ont baisé avec leur connerie là. Attendez. La tranche ça? Non, c'est pas la tranche ça. Bon, normalement, il est censé avoir un trou quelque part quoi. Donc faut chercher un trou. Bang. Coq bâbord, on s'en fout. Si j'allais dans l'autre sens, ça serait mieux quand même. Voilà, pour voir quelque chose, faut que je tourne dans le sens contraire, quoi. Alors, faut que je trouve une brèche. Non mais vous y croyez vous? Je suis allé regarder une soluce, j'ai mal regardé, j'ai rien compris. Le mec il va avoir des soluces, il arrive quand même pas. Mais c'est pas là, là. Merde, j'ai cru voir un truc.
Non, j'ai rien vu du tout. Bon bah je vais passer mes 22 minutes à faire ça. Hein. Non mais attendez, c'est pas ça ou quoi? Je me suis planté. Attendez, ça peut être que ça, parce que regardez, il y a le. Ça peut être que ça, quoi. La tranche, il y a que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vais y aller à pied, hein. Je suis mort. Bon, c'est ça ou c'est pas ça? Putain! J'ai regardé un truc là! Ça marche pas! Oh, je me fatigue. Même quand je triche, je suis pas bon quoi. C'est quand même assez dingue. Le mec, il arrive même pas à tricher quoi. Mec, il arrive même pas à tricher avec une soluce. Bon. On y retourne. On y retourne. Paf, l'étranger. Paf. Normalement, il y a un truc. Il y a un trou. Ce qu'on appelle couramment une brèche. Et je piche pas pourquoi. Pourquoi ça s'affichait pas, quoi. C'est sur le côté. Ah, j'étais sur le milieu, c'était peut-être pas au milieu. Hein. Oh là 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 là, l'enfer! Vous avez vu un truc vous ou pas? J'ai rien vu.
Pilote auto marche plus. Le pilote auto marche plus. Dangereux. Où c'est dangereux? Bon, va falloir que je re-regarde pour que je re-retriche. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment regardé le minimum. Hein. J'ai vraiment regardé. Hop, est-ce que c'est où? J'ai vu. C'est sur le pourtour, faut chercher, faut rentrer dedans. Et en fait, et ben voilà. J'aurais dû chercher mieux que ça. Attendez. Je vais trouver. Mais l'autre vidéo d'une heure dix, tu crois que je vais regarder... tu crois que je vais regarder 1h10? Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Bla bla bla. Bla bla bla. Alors, comment trouver la brèche? Une explosion en premier 1. La brèche dans la coque est très petite. Voler vers le haut et à gauche. Explosion provoque une brèche dans la coche, la coque dans le coin supérieur gauche du point de vue de la baie d'amarrage en bas. La brèche dans la coque est très petite, volée vers le haut et à gauche en vérifiant l'anneau extérieur des empreintes rondes. L'un a un trou fendu. L'un a un trou fondu. C'est vrai qu'en volant très près, votre navire pourrait rentrer vers la brèche. En fait, c'est sur l'autre sur la façade. Oh là là, je comprends rien. Je constate que ça bastique tout seul, bah oui. Oui, mais moi j'ai le droit de me baxiter. Non, mais non. Retourne-y, par pitié, retourne-y. Oh, mais non, j'ai plus le... Putain, j'ai plus... Oh là là, je vais arriver à donf. Alors, en haut à gauche, mais oui c'est là, regardez. Ah non, c'est pas là du tout. Quoi? J'ai plus de contrôle. J'ai niqué tout le carburant, bon voilà. Hop là. La la la, la 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 la. Hey, bonjour YouTube. On commence tout juste le... Non, je déconne. J'ai pas arrêté la vidéo. Mais... Le meilleur premier quart d'heure de n'importe quel let's play, c'est chez WAM. Hein. Là, franchement, le mec, il a triché. Et malgré ça, il n'y arrive pas. C'est vous dire que si j'avais pas triché, je l'aurais jamais trouvé. Hein. Je sais même pas ce que ça fait en plus. C'est ça le pire. J'ai triché, je vais y passer des heures.
Et on va trouver rien en fait. Et je vais être dégoûté. Alors, ils disent en haut à gauche par rapport à la baie. Non, c'est le machin là, regardez. Vu. Putain, mais je t'ai dit de te détacher. Oh là, je sais pas pourquoi ça refait ça. Aïe, 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 c'est là! Super, je me suis fait super mal. J'adore. Ok. Ah ok, c'est cette grande pièce là. Ah ok, on arrive là. Alors, des artefacts partout que je sais toujours pas quoi faire. Là, on peut regarder. Mais j'ai des artefacts avec des... Coucou Bibi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une vision de quelqu'un. Oui, petit chou, j'ai plus mal. C'est cool. On est vert et on sent le prout. Comment ça? Ah oui, les petits choux, d'accord. Ouais. S'allonge sur le divan, ça, on imagine qu'évidemment, ça lui fait extrêmement plaisir. Donc là, c'est par où je suis arrivé. Ok. On peut regarder des deux côtés, hein, évidemment. Comme un bon peeping Tom qu'on est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, nice. J'ai ouvert. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il prend le truc. Il va au truc. Il s'assoit sur le truc. La flamme. Ah, quand on pointe. Mais non, mais... Par contre, je viens de lancer Isaac sous Tramadol. Ah oui. Ah. Je suis pas sûr que ça se passe bien. Hein. Je peux me tromper, hein, mais... Je
suis pas certain que ça soit très efficace. Alors attendez. Donc là, il y a tout ça, c'est parfait. C'est très bien, mais moi je veux voir mon... C'est où? C'est en face, hein. C'est là-haut, je crois. Il me semble que c'est là-haut. Qu'est-ce qui a terminé la première mission de son jeu? Vient de relancer, s'aperçoit qu'il n'avait pas sauvegardé et doit refaire cette mission de l'enfer. Ah merde, c'est quoi comme jeu? Ouais, ça fait un bail que je me suis pas allongé sur le divan. Plus le mec que je voyais de temps en temps m'a dit que j'avais des soucis de santé. Mais qu'il voulait pas en parler. M'a dit qu'il avait des soucis de santé, mais il voulait pas. J'en peux. D'accord. De toute façon, je suis gros et moche et personne ne veut de moi, la vie c'est de la merde. Ah. Tu joues à Battletech, d'accord. C'est pas. Je suis sûr que c'est pas vrai en plus. Phrase me décrit sans mon consentement. Bah oh là là, mais c'est faux. Je suis grosse et j'ai découvert à 37 ans que j'étais pas moche. Et j'ai une vie sentimentale et sexuelle très satisfaisante. Attention, attention le tramadol. Hein. Tu vas commencer à nous dire des trucs là que t'as peut-être pas forcément envie de nous dire. Hein. Ou qu'on a peut-être pas forcément envie d'entendre. L'un des deux. Oh, j'ai failli me casser les genoux là. Casser les genoux. Casser les genoux. Je n'ai ni vie sentimentale ni romantique. Ni depuis 2 ans. Donc. Donc quoi? Ah donc il y a les lanternes. Attendez. Il y a la lanterne que j'ai réussi à récupérer. Il s'enferme. Il y a les autres qui regardent là. Cette bande de petits pervers là. Il se réveille. C'est tout. Petite musique là. J'ai rien dit de choquant, mais non, mais. Voilà. On a peut-être pas envie de savoir que. Le certificateur est un bon coup. C'est tout. Ah non, putain, rien dit de choquant par rapport à ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on peut dire habituellement. Non, non, je te rassure. Par contre, c'est pas choquant du tout. Ah oui d'accord, il y en a un, c'est avec la petite toupiote. Et les autres, c'est pas avec la loupiote. Et du coup, est-ce que ça m'aide en quoi que ce soit? Ah mais oui, regardez! C'est pas des arté... Je veux m'asseoir moi. Je peux pas m'asseoir? Je veux du feu dans ma vie là. Ça a rien allumé du tout. Des périodes comme ça, ouais. Pendant 3-4 ans, mes études, j'ai strictement rien fait pour plein de raisons. Mais bon, ça finit par revenir, ouais. C'est pas, je suis vieille, plus personne ne voudra de moi. C'est tellement faux. Plus depuis quelques semaines. Je suis même plus drôle et j'ai l'impression de faire moins de choses. Bah dis donc,
Je sais pas, ici c'est toujours drôle, enfin, j'ai l'impression. Ah, vas-y, bah fais nourrir. Du coup, si tu penses que t'es plus drôle, vas-y, fais nourrir. Fais une blague. Allez. Sois drôle maintenant. Non, mais rouvre pas ça. Voilà. Pénis. T'as juste dit un mot là, c'était pas drôle. C'est pas drôle, t'as juste dit un mot. Vas-y. Je vais essayer d'aller choper une petite flamme là. Celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Aïe, je m'ai cogné. Je m'ai cogné. Pause sieste, attendez. J'ai eu un succès. J'ai eu un succès, j'ai eu pionnier. A pionnier. J'ai eu pionnier. C'est parce que... Putain, mais pour... Mais oui, ils ont les trucs, ils roupillent à côté. J'ai compris. J'ai compris comment ça marchait, il fallait s'endormir. Il fallait donc s'endormir. Oh là là. Le laboratoire endommagé. Vas-y, consulte. Abattoir contenant 3 chambres d'essai. La deuxième chambre est très endommagée, accessible grâce à une brèche dans le flanc de l'étranger. J'étais témoin d'une sorte de vision. Quelqu'un a ramassé un artefact et s'est endormi devant un feu vert. Je suis une sonde de l'espace. Si moi j'ai ri, ça m'a rappelé un sketch de circonstance. Attends, un sketch de Constance. Pas de circonstance. De Constance. En même temps, toi, ce soir, t'es défoncé, donc... Tu vas rire à n'importe quoi. Le reste de la vision était troublé et confus, mais j'ai cru voir une femme apparaître à l'intérieur de l'artefact. J'ai trouvé un carrousel de diapositives montrant 3 expériences réalisées avec 3 artefacts différents. La troisième sans avoir été une réussite. Faut que j'essaye avec la lanterne du coup. Oh mais j'ai compris ça quoi. Sonde, pionnier. Ah le succès. Ah effectivement. Désolé. Est-ce que vous pensez que le projet... Est-ce que vous pensez que le prochain succès, ça va être Voyager. Du coup. Hop, vitesse alignée, parfait. Chaque fois, je me détruis les genoux sur ces conneries, là. Attendez, là, est-ce que... Non, c'est bon. Hop. Donc. Je vais chercher... Ça. Ensuite.
Je vais ici. Ensuite, je sors. Hop, je vais. Oh là là, faut faire des siestes à côté des feux. Qui aurait pu s'imaginer? Bim. J'ai pas dit quel type de sonde tu étais. Ah bah bravo. Petite pause sieste. Hop, siestouille. On se réveille. Ça marche pas? Ça marche pas? Non, ça marche pas avec ça. Bon bah du coup je vais essayer avec avec les machins là. Il y en a un là, voilà. Artefact. J'abandonne, c'est là. Tu streams ce soir? J'aime pas quand vous parlez de sonde. Au sieste, hop. 6-6, d'accord, et bah bonne gay. Ah! Putain, ils ont disparu. Putain, sa mère, ils ont disparu. On est concentré. Dissimulé. Oh. J'aime pas ce qui est en train de se passer là. Je flippe. Non mais il y a des connards qui vont me sauter dessus, c'est obligé. Ah oui, regardez. Ah là, je me rappelle de ça. J'ai le stress qui monte là. Jouer de la guitare? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des vibrations. Putain, je...
Oui, je me rappelle. Ah, non, lâcher l'artefact, non. Je suis de l'autre côté. J'entends des trucs. Alors je peux pas voler parce que j'ai plus mon... J'ai plus mon jetpack a priori. Ça, c'est des trucs pour se téléporter. La prochaine pause, ça sera pas pour faire pipi, effectivement. Comme le dit Patatarte, mais pour changer de slip. Il y a un mec là-bas. Pourquoi j'y vais? J'ai vu une ombre. Je vous promets, j'ai vu une ombre. Du bruit comme ça. On est où? Des grognements et tout.
Ça vibre, ça vibre. Il se passe quelque chose. Alors moi là où je dois aller là? Le jeu il me demande vraiment d'aller là? C'est en plus. Ok. Ah. Qu'est-ce que ça me montre? Ça, ils vont là. Ils viennent là, ils regardent. Le coffre. Que j'aille l'étage en dessous. Comment je fais? Ah non, a priori, je peux pas aller en dessous.
Et je meurs pas quand je suis ici? Ça fait un moment que j'y suis là. Si vous avez entendu le kéké avec sa voiture là. Il a bien fait chier tout le monde. Bravo à lui. Ça éclaire loin, c'est bien. Comment je fais pour ouvrir les portes là? J'entends des trucs, j'entends des trucs. Feu de croisement plein phare. Loulou veut que je te dise qu'il a eu sa ceinture orange. Cool! Eh bah chouette, bien joué. Je vous avoue que là tout de suite, sur ce passage là, j'ai plutôt ma ceinture marron, mais... Il y a des cris partout. Ils font des petits cris partout là. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller là? Putain, mais je flippe. Non mais je vais l'arrêter le jeu hein. Je vous promets, le jeu, je vais l'arrêter. Là, je peux pas continuer. Pourquoi j'ai... Ah oui, non, c'est le curseur. Vous aussi, vous avez entendu là, non? Oh, c'est bientôt la fin de la boucle. Ah bah tant mieux parce que... J'allais crever d'une attaque là. Mais Saturne! Regardez, il y a Saturne! Putain, on est sur la planète des machins! Respire, moi je meurs sans cesse, ça va. Ouais, mais mourir dans Isaac, ça me va, tu vois. Là, mourir en ayant peur, ça me va moins. Ah, meurs là au début! Me revoilà au début. Et il y a sûrement une flamme du coup. Par rapport à ce qu'on a vu, il y a sûrement une flamme. Là où il y a le grand machin là. Vous savez?
là, on est mort. Ok, bon, la boucle continue quand même. J'aime pas. J'aime pas, hein. Ah non, 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 j'aime pas. Il fait tout noir, là. Il fait tout noir chez eux, c'est nul. Pourquoi j'ai trouvé ça? Pourquoi j'ai trouvé ça? C'est la pire idée! Ah, regardez, c'est sympa, regardez, c'est tout coloré, tout ça, c'est joli, c'est mignon. Pourquoi je suis allé chez les chouettes, machin, là? Alors. Gigantesque canyon qui s'étire dans le lointain. Une cabine éclairée par des bougies se trouve sur la paroi opposée. Il reste des choses à explorer. Montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un passage secret caché derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. C'est peut-être ça qu'il faut faire du coup. Je voguais sur un radeau quand j'ai longé une île avec une tour éclairée par des bougies. Sur un radeau, j'ai remonté une portion de fleuve densément boisée. Les bâtiments sont visibles le long des berges. Non, 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 retourne-y là. Y'a pas autre chose que j'ai vu? Si. J'ai regardé par un trou présent sur la paroi d'une grande structure métallique suspendue par des chaînes et j'ai vu un feu vert brûler à l'intérieur. J'étais témoin d'une sorte de vision, de silhouette et un coffre étrange ont pris forme à côté d'un feu vert. Elles ont ramassé le coffre et ont descendu un escalier en le portant. Bon bah voilà, bah c'était sympa le jeu, vraiment. J'ai beaucoup aimé y jouer. Attention derrière toi. Zut, l'aspirateur. J'ai oublié de l'éteindre. Non mais Non mais finalement on va arrêter de jouer, c'était bien hein. C'était bien Outer Wells le DLC. Merci à lui. on va arrêter. Arrêter de jouer à le jeu là. Je vais me chier dessus. Pouf. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un artefact, maintenant qu'on sait comment il marche. Je sais où ils sont à côté là. Ils sont juste là. Je plouf. Hop. Là, j'en prends un. Aïe, aïe. Hop, artefact. Parfait. Puis je retourne là-bas. Puis... je prends le raccourci. Déjà là... là je flippais déjà en fait. Là il fait tout noir. Et là le jeu il nous rajoute encore plus de noir quoi. Que j'ai envie de ça? Non.
Ensuite, je sors. On est là. Là, faut que j'aille sous le machin, là. Putain, je vais regretter. Je vous promets, je vais regretter. Pas envie. Ah merde! Attendez, ça a coupé sur Twitch. Ça a coupé. Hop, est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont fait éjecter là ou Non, bah non, il est juste chez moi. D'accord. Alors. Alors, si je fais ça, j'ai peur que ça plante. Ah, sinon, je recouperai, hein, c'est pas grave. Peut-être bisous YouTube. Peut-être à tout de suite. Peut-être pas. Hop. Donc, j'arrête tout. J'arrête tout et je reprends. Évidemment, ça ne marche pas. Ah bon, je recollerai les morceaux. Bisous Twitch. Tout de suite. YouTube. Bon, toi, enfin, tu n'as rien vu. Hein, là, les deux morceaux vont être collés, mais bon. Donc là, je ne sais pas ce que vous n'avez pas vu en live, mais je suis allé dans le grand conteneur, là. Je suis allé dans le grand conteneur à côté du barrage. Et là, je viens de récupérer une flamme bleue. Verte. Je vais sûrement être téléporté quelque part. Bah j'ai été téléporté, bah oui. Regardez, il n'y a plus le grand conteneur là. Ça fait des gras, ça fait des gros gros là. Ça fait des gros gros partout. À vous encore, vous ici. Donc là, j'ai le grand machin là. Salut Gabel. Bisous Gabel. merci d'être passé. Quoi? Ah, ils ont des alarmes.
Si, ouais, non, mais ouais, si tu viens d'arriver, oui, ça y est, ça commence à être un peu chelou. On est dans Outer Wilds et c'est tellement chelou et j'ai plus envie de jouer. Et j'ai plus envie de jouer. J'ai plus envie de jouer parce que le jeu il fait peur. Et du coup, c'est sûrement pour ça que j'ai ça. Arrête, le jeu est pas sur contrôle. C'est vrai que je pourrais faire ça. Donc là, il y a des statues qui me détectent. Je peux juste sauter. Est-ce que si je peux tenter? C'était quoi? C'était... Attendez, c'était... Soleil. Moi, flamme. Moi, flamme. Pas. Soleil, moi flamme. Est-ce que c'était soleil ou pas? Soleil, moi flamme. C'était ça le premier. Non. Non. Est-ce que vous pensez qu'une race si avancée réutilise ses mots de passe? Ou pas? Ah mais putain, il y a ça. J'ai pas fait attention qu'il y avait un truc rotation là. Je peux rotationner ça? Il y a la tour. Là, ils sont dans leur petite pièce chelou. Sympa les souvenirs à 5 FPS. Ouais, mais c'est bien, ça me stresse moins. Regardez, c'est moins flippant. Vous avez vu? C'est moins flippant. Attendez, il y avait les trucs au départ. Est-ce qu'on voyait le code? Est-ce qu'on voit le code? Non, on voit quart de lune, tout ça quoi.
à faire pendant ce truc là. Surtout des grosses économies d'animation. Oh là là, le mec, comment il est mauvais là. Et je pense que honnêtement, enfin tu vois, ils ont les modèles 3D et tout. Faire en sorte que ce soit les trucs qui bougent, ça leur aurait posé aucun problème. Hein. Je pense que c'est vraiment... En fait, oui, c'est des diapositives en fait. Enfin tu vois, c'est pas de la vidéo, c'est des diapos quoi. Ah bah t'es là, ouais, non, j'ai eu un problème de connexion et donc ça a coupé. Mais je suis revenu aussitôt. Enfin, je suis revenu aussitôt. Ça a pris le temps de m'apercevoir que c'était pété et... Arabia, qu'est-ce que tu fais? Et là, je meurs si je... Ouais, je meurs. Attendez, je me refais une petite pause de sieste. Je me revois là ici. Ah ! Aïe mes jambes. Super. Reviens toi. Si je fais tourner qu'une fois le truc. J'ai eu peur à mes jambes. Vous voyez là, c'est entrouvert, mais... Ah, ok. C'est moi qui l'allumais là. Merde! Ouais voilà, faut se décaler. Ouais non, je sais pas trop quoi faire là. Parce que eux ils me détectent tout de suite. Allô? Je peux rien faire. J'arrive de l'autre côté. Ah. Peut-être que j'arrive de par là. Et le truc va nous permettre de faire une voûte par exemple qui nous va nous permettre de traverser ou une connerie dans le genre, j'imagine. Et si je fonce? Si je vais très vite? Ah, en fait ça nous réveille en fait. On est vraiment dans le monde des songes. Et ça nous réveille. Ah. D'accord, les gling gling, c'est là pour nous réveiller. Bon.
Alors il y a le barrage qui a pété. Oh, j'ai plus trop de temps mais on va quand même aller se faire plaisir et puis aller dans le monde des rêves. Et par ici. C'est là je crois, non? Non. Oh c'est badge, c'est déjà ouvert. Pourquoi c'est déjà ouvert? Ah bah non, je peux plus y aller. C'est sous l'eau, je peux plus y aller. Damn. Flutio, ah bah oui, puis toutes les lampes sont éteintes parce qu'elles ont pris la flotte quoi. Alors la tour tient encore debout. Aïe. Moi aussi je tiens encore debout là. Et pour combien de temps? Merde. Aïe. Puis les mecs ils sont là non? Je sais plus. Non ça c'est la bicoque pour aller lire les cassettes vidéo ça. Ça c'est la bicoque pour les VHS ça. Rien à voir. Là. Ça va être inondé aussi non? Ah non. Il y a une porte. Je peux pas y aller parce que je peux pas y aller. Thank you.
J'ai fait apparaître une maison carrément quoi. Ah merde! Ah merde. Bon, ça se casse la gueule ici. Forcément, bah oui, ça éteint ma flamme. Merde, c'est con. Et vu que c'est lié à la flamme, si la flamme s'en va, bah évidemment le truc s'en va. Bah ouais, je peux essayer de... Il y a une grotte là? Ah oui, mais c'est l'entrée de la grotte. Oui, c'est l'entrée par la grotte. Oui, c'est ça, c'est l'entrée par la grotte, ça. Bah allez, on va laisser... on va laisser le... La boucle se finir. Et je pense que... Je vais faire une petite pause aussi. Calme quand on arrive là. C'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien un peu de calme là. Et hop, on a bouclé. Alors je me demande si ce qu'on fait... Parce que non, on remonte le temps, donc j'allais dire ce qu'on fait dans le monde des rêves, là, si ça reste ou pas. Eh bien, on verra ça la prochaine fois. Des bisous, YouTube!